Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Heroes Bond. Petite vidéo, mais en fait il n'y a pas grand chose à dire je crois par rapport à la dernière vidéo. Sauf que bah, j'ai enfin eu le pop, en même temps c'était pas bien compliqué à avoir. Bah, en fait voilà, les choses n'ont pas vraiment beaucoup évolué. Hein. Alors bon, voilà, bon, pareil, voilà, j'ai toujours des quêtes de personnages à faire. J'ai encore pas mal de. Enfin, j'ai pris pas mal de retard parce que voilà, j'ai pas mal de choses. Bah après voilà, j'ai toujours le chapitre 5 en avancée que j'ai toujours pas terminé. Mais bon, en même temps, je crois que de mémoire, c'est celui où il demande point faible. Je sais plus ce que c'est quoi. Non, plus, les points faibles, c'est ténèbres. Point faible, c'est ténèbres. Je crois que c'est, bah, je crois que c'est, comment il s'appelle, Yunkel qui, Yunkel qui est ténèbres. Donc, j'ai pas trop avancé. C'est vrai que j'ai tellement, j'ai été pris par pas mal d'autres choses. Pareil, bon, après l'épopée des liens, il y a rien d'exceptionnel qui a, il y a rien d'exceptionnel qui a avancé. Donc, le jeu avance tranquillement, vraiment à pas de loup. Donc il y a vraiment pas grand chose. J'ai toujours pas fait. Alors par contre, alors par contre, ouais, j'ai récupéré. Alors acquérir compétences. Oui. Soins partiels. Alors pourquoi il est. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi soins partiels alors que je l'ai. Attends, soins partiels. Alors, par contre, ce qui est... oui, alors du coup, oui, j'ai récupéré de quoi faire Bang. Donc, de quoi améliorer Bang en faisant l'event de pop. Alors, par contre, ah non, c'est premier secours. Ah non, c'est premier secours. Donc, soins partiels, c'est. Ah non, ah ouais! Ah, j'avais pas fait gaffe! Ah ouais, j'avais pas fait gaffe! Mais en fait, soins partiels, ouais! Je me demande si soins partiels est pas supérieur à premier secours. Donc, ah bah non, j'avais même pas fait gaffe! Donc, ouais, donc, ouais. Donc, en fait. Ouais, ouais, oui, le pauvre Lomos. Voilà, bon. Je sais vraiment pour l'instant, voilà, ils ont fait le. Après, voilà, bon, on va un petit peu discuter, hein. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas la possibilité de. Encore une fois. Mais ça, je comprends pas pourquoi, dès le départ, le jeu n'offre pas cette possibilité-là de tout. C'est dingue qu'il faille à chaque fois attendre, je sais pas combien de releases, des fois même des années. Avant d'avoir les fonctionnalités qui permettent de tout cocher. Vous prenez sur DB Legend, il a fallu attendre un certain temps avant de. Avant il fallait faire vraiment à la main, enfin à la main, enfin on fait toujours à la main, mais ce que je veux dire c'est que voilà, avant au début voilà, il fallait vraiment faire il fallait, quand vous voulez débloquer un arbre. Là maintenant il aura fallu attendre les. Ouais, un an et demi, au moins peut-être un an et demi, 2 ans, pour pouvoir peut-être, non peut-être pas un an et demi, peut-être ouais, enfin il aura fallu quand même attendre un certain temps avant de vraiment pouvoir arriver à tout libérer d'un coup quoi. C'est, je trouve ça dommage quoi. C'est comme dans DB, comme dans Dokkan Battle. Hein. Dokkan Battle, il a fallu attendre un certain temps avant d'arriver à tout débloquer d'un coup. Enfin, c'était. Ah merde. Bon. Par contre, le Pop Lomos. Je sais ce que je vais faire. Alors, quête de défi. Test de progression, alors 11 290, mais alors par contre évidemment que ouais, je suppose que si je fais changer d'allié je peux pas mettre le.
Ouais, c'est ça. Donc je suis obligé de virer le Poplomos. On va voir le peuple d'Hermeline avec le peuple Lomos. Ok. Par contre, ce qui est bien, c'est que ouais, il. Par contre, du coup, je vais le mettre en mode, je vais le mettre partenaire. Je suis à 12 000. Ah ouais, 12 508. Ah bah non, 12 508. 12 508, ça passe. Enfin, j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Bah là, bah voilà, c'est vraiment pour faire traîner la vidéo. Parce que bah, c'était vraiment histoire de discuter un petit peu du jeu. Vous montrer un petit peu mon avancée. Voilà, qui est pas folle folle. Après, si vous avez pu voir mes vidéos sur Memory Isekai, j'avoue que j'avance beaucoup plus sur Memory Isekai. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avancées sur Memory Isekai que là pour le moment avec Dai. Mais après, le problème c'est que Dai, on sait qu'on est sur un jeu Dai. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps va durer le. Voilà, quelle va être la durée de vie du jeu. Pour l'instant dans l'histoire on en est même pas à l'époque, on en est même pas là où on en est avec l'anime, hein. Sachant que l'anime progressivement arrive sur la fin, on arrive sur le combat avec on va arriver progressivement sur la dernière partie avec le combat contre Vern. Donc on n'en est pas encore là, mais voilà, on va vraiment attaquer progressivement le donc quand l'anime va être terminé, en fait, quand l'anime va être terminé, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme personnage? Parce que bon, après, il y a l'épopée des liens. Ça, on voit bien que on est qu'au premier chapitre et que forcément, on va aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on va clairement aller beaucoup plus loin. Jusqu'où? Pour le moment, on est. Franchement, je suis incapable et je pense que n'importe qui est capable de dire. Là il vient nous mettre le après voilà, on sait que on est sur attention, on est avec le Dai qui met de l'Homos, donc on n'est même pas avec le Dai avec en dragon. Donc je pense qu'ils vont faire durer le truc avec un Dai éveillé, puis par la suite on aura un Dai éveillé avec l'épée de Lonberku. On aura sûrement un Dai éveillé avec les deux symboles. Avec les deux symboles. Enfin donc comme là pour le moment on a une. Après MAM, bah, je pense que le prochain perso qui va avoir un portail, je pense que c'est MAM, parce que là on a vraiment la MAM à l'ancienne. On a la MAM à l'ancienne, elle a sa tenue de départ, elle a sa tenue de tout début. Elle a même pas sa première tenue, donc pareil, il va y avoir cette tenue là. Après je pense qu'il y aura la version où elle va avec... où elle va être avec les cheveux attachés, après sa période avec maître Brokin. Donc bon bah voilà, c'est pas secret. Donc là j'avoue, je sais vraiment pas comment les choses vont évoluer, quoi. Bon, impeccable. Ah bah, Randa Monturier 44. Ah bah voilà, il est passé niveau 30, impec. Il est passé niveau 30. Et vous savez quoi? Il vient de passer niveau 30. Mais ce qui serait génial, vous êtes bien d'accord avec moi, ce qui serait génial, ça serait d'avoir la chance de dropper sur le portail, parce que je crois que j'ai fait une vidéo
pour parler du portail, Donc, mais après, c'est vrai que, enfin, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve vraiment le farm, enfin, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Ouais, je suis à 3906. Honnêtement, je poule parce que faut, parce que, enfin, je poule. Amélioration de soins partiels. Ah punaise. Ah bah putain, putain. Oh punaise, soins partiels. Bah du coup, ouais, je les, du coup, je les rends deux. C'est bien. Bon bah je suppose, ouais, tableau d'alliés, bah évidemment. Ouais, mais franchement, ouais, la fonction tout remplir, franchement, elle manque, hein, parce que là. C'est chiant parce qu'en plus ça, à chaque fois vous avez ouais. Ouais, puis même franchement quand on compare par rapport à Memory Seikai, le farm sur Memory Seikai est tellement plus fun que sur ce jeu. Après j'adore, hein, je suis fan de la licence donc mais enfin j'ai presque envie de dire c'est une purge. Et c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah on va faire un pool et puis bah après bah derrière on va clôturer la vidéo en espérant tomber sur le bâton. Le bâton. Je crois que c'est méga classe. Méga glace. Allez, on y croit. Hein, on y croit. Et puis bah j'espère, on croise les doigts bien fort en espérant vraiment faire un super pool. Ouais, bon déjà le slime c'est pas une bonne nouvelle. Le roi gluant. Bon bah voilà, ouais, bon bah voilà. Ah, ah bien, un tornade à pouvoir. Enfin bien. Ah, multi-coup, ouais. Après, ouais, parchemin. Super découpe. Mais je crois que je viens déjà de le up. Donc, bon, bah voilà. On peut pas dire que ces derniers temps, je sois en veine sur ce jeu, quand même. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, j'ai pas assez de. Tornade. Ah, il m'en manque. Ah, bah si, et bah si. Ah non, il en faut 12. Oh là là, tornade. Est-ce que j'aurais pas de quoi. Est-ce que j'aurais pas de quoi m'acheter. Non, non, ça c'est la boutique. Est-ce que j'aurais pas de quoi m'acheter. Compétence. Est-ce que j'aurais pas de quoi me. M'acheter. Des armures slash à double lame. Ah, le slash à double lame. Donc c'était quoi que je voulais monter? Ouais, bah non. Ah non, non, j'ai même pas de quoi. Ah, par contre, je sais même plus double lame. Ah, slash à double lame. Je crois qu'il en faut que 5 pour le débloquer. Non. C'est moi ou c'est Léona? Ouais, on dit. Oui, Léona. Allié disponible, Léona tenue de Ben Garna. Magie ascendante, mais
Hein? Attendez, là. Hop, 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 hop. Ah non? Ah, ou alors... Dans les tableaux des alliés. Oui, non, bah non. Alors là. Alors, ou alors est-ce qu'on déblo ou alors est-ce qu'on débloquerait Léona dans la quête d'événements? Bah, je pense pas, puisque. Ça sera à vérifier, ça sera à vérifier. De toute façon, bah après, je pense que si c'est une des skills utilisables par Léona, je pense qu'on devrait pouvoir l'avoir. On devrait pouvoir l'avoir. Donc, c'est à voir. Bon, bah voilà, c'était une petite vidéo histoire de parler un petit peu de DAI. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Un peu déçu quand même du pool, mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir la chance de notre côté. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout n'oubliez pas, Daiboku, Watsuzuku. Allez, bye.